d'Ivoire, Tene Biraïma serait-il en train de se positionner politiquement? Quelques semaines après sa nomination au poste intérimaire de ministre de la Défense, des mouvements de soutien au ministre d'État Tene Biraïma Ouattara, le jeune frère du président ivoirien Alassane Ouattara, naissent. Une initiative qui tend à confirmer indirectement que l'homme politique ivoirien et argentier du régime Ouattara serait en train de se positionner et affiner ses ambitions en Côte d'Ivoire. Quelques mouvements de soutien au ministre d'État Tene Biraïma Ouattara ont en effet vu le jour en terre ivoirienne. Pour l'heure, trois d'entre eux sont super actifs. Ce sont le mouvement national Tene Biraïma Ouattara, dirigé par Hervé Gueux, et le mouvement 5 millions de jeunes pour Tene Biraïma Ouattara. Sur ses réseaux sociaux, le mouvement national Tene Biraïma Ouattara réclame son titre de premier mouvement public à soutenir Tene Biraïma avec pour objectif d'unir le maximum d'Ivoiriens afin de faire de Tene Biraïma Ouattara le futur président de la République de la Côte d'Ivoire en 2025. Le second mouvement 5 millions de jeunes pour Tene Biraïma Ouattara se présente comme une initiative des fanatiques du ministre de la Défense par intérim. Il aurait pour objectif de faire la promotion des actions du nouveau patron des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Homme connu pour sa discrétion, Tene Biraïma ne s'est pas encore prononcé sur la question. Le troisième mouvement se dénomme le Réseau des jeunes cadres pour Tene Biraïma Ouattara, un mouvement qui comprend plus de 1 000 membres en un jour et qui prétend réunir les travailleurs jeunes afin de soutenir les actions du jeune frère du président ivoirien. C'est dans cet élan de soutien que Tene Biraïma a reçu un soutien de taille, celui du docteur Kouassi Brice, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dans un courrier publié le 22 mars 2021. Tene Biraïma Ouattara ne peut nullement être celui que Chris Iapi présente comme un homme de basse besogne et de basse manœuvre. Photocopie, homme discret n'en est pas moins un homme compétent, doux et bon. Profondément pénétré du sens du devoir, il sait la place qu'il occupe au sein de l'État. Que lui vienne l'idée de créer le chaos au sommet de l'État? Non, n'y pensons même pas. Alors, laissez Tene Biraïma Ouattara tranquille. J'ai connu Ibrahim ou encore Photocopie en 2005, à une époque où nous ne savions même pas ce que Dieu réservait au RDR en 2010. Je suis ami à son neveu, l'honorable Diomandé Abdoulaye, depuis à jamais 220 logements. C'est au cours de nos nombreux voyages ludiques à Kong, en compagnie de mon ami, que j'ai connu Photocopie. J'ai découvert un homme discret, protecteur, sage, doux, d'une simplicité étonnante et profondément attaché à sa terre, Kong. Je dois confesser qu'il m'a beaucoup inspiré pour Didier V. Pour l'observateur avisé de la politique made in Côte d'Ivoire, tous les indices permettent de comprendre que le nombre de ces clubs ne feront que croître. Après donc Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, ou encore Soro Guillaume, Tene Biraïma est devenue la personnalité politique ivoirienne du RHDP, dont l'itinéraire politique est désormais à suivre. Wait and see.